Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, les dernières nouvelles de la compagnie Aigle Azur. Donc, plusieurs compagnies sont intéressées par la reprise et normalement, une réponse doit être donnée aujourd'hui, lundi 9 septembre 2019. Donc, il y a plusieurs compagnies qui sont intéressées et principalement Air France, première compagnie en France. Mais le rachat risque d'être partiel, c'est-à-dire à la découpe. Vu le déficit, hein, qui est énorme, hein, une dette de près de 80 millions d'euros, je crois, à Aigle Azur. Donc, il risque d'avoir pas mal de salariés de la compagnie Aigle Azur qui ne seront pas repris, hein, suite à ce rachat éventuel. Donc, il y a aussi Air Caraïbes qui est dans la liste des repreneurs et d'autres compagnies aussi qui sont intéressées par le rachat d'Aigle Azur. Donc, les 13 000 passagers qui n'ont pas trouvé de solution, si ce rachat se concluait par exemple dans le cran de la semaine, se verraient proposer une solution, hein, c'est normal. Car la compagnie qui rachèterait Aigle Azur devra aussi prendre les déficits, aussi bien ce qui est positif et négatif. Hein. C'est comme ça que ça marche les rachats. Hein. On prend le passif et on prend aussi le positif. Donc voilà la dernière nouvelle. Donc on attend la réponse officielle, hein, qui devrait pas tarder, hein, normalement dans le courant de la journée. On verra bien. Bon, au revoir à tous.